Comment changer la photo de profil de sa chaîne YouTube, que ce soit sur mobile ou sur téléphone? C'est quelque chose qui peut sembler très simple pour certains et un vrai calvaire pour d'autres. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre tout simplement en vidéo. Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenu à développer leur influence et leur business en ligne. La photo de profil de ta chaîne YouTube est extrêmement importante parce que ça fait partie des premières choses que va voir une personne qui découvre ta chaîne. Donc tu dois y prêter une certaine attention, etc. Mais surtout, la question qui revient régulièrement dans les commentaires de mes vidéos, c'est comment changer la photo de profil justement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait directement changer sa photo de profil directement depuis l'application mobile. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à ces questions. Je vais vous montrer comment on fait ça en gros sur iPhone, iPad et sur un ordinateur. Donc sur le téléphone, c'est extrêmement simple. Vous allez lancer un navigateur de recherche et vous allez saisir l'adresse aboutme.google.com. Je vous la mets sur l'écran et je vous la mets également en description de la vidéo. Ici, si vous n'êtes pas connecté, vous allez tout simplement devoir vous connecter avec votre compte Google. Et ici, vous voyez que je vais pouvoir cliquer sur ma photo de profil afin d'en importer une nouvelle. Si vous avez déjà des photos importées, vous pouvez les choisir. Sinon, vous faites importer une photo. Phototech. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner la photo que vous voulez. Vous faites enregistrer et c'est tout si simple que ça. Alors, je vais prendre celle-là pour l'exemple. Ici, vous voyez, vous allez pouvoir un peu changer le cadrage de la photo. Vous allez également pouvoir la faire tourner sur elle-même, etc. Moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais quand c'est OK pour vous, vous cliquez sur le bouton OK. Et voilà comment changer la photo de profil depuis un mobile. C'est également valable depuis un iPad ou enfin depuis n'importe quelle tablette. Pour un ordinateur, c'est tout aussi simple. Vous allez sur la page tout simplement youtube.com. Vous allez, une fois connecté sur votre chaîne, vous allez cliquer ici sur votre icône. Vous cliquez sur paramètres et dans paramètres, vous allez pouvoir cliquer sur modifier sur Google. Vous allez retrouver sur la même page aboutme.google.com et ici, vous pouvez modifier la photo de profil. Ça, c'est une des façons de faire. Une autre façon de faire, c'est tout simplement, si je reviens en arrière, en cliquant ici sur ta photo de profil, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur « Gérer votre compte Google ». Et sur « Gérer votre compte Google », encore une fois, il y a un avatar, on clique dessus et on peut le changer. C'est encore une autre manière de faire. Et une dernière façon de faire ça, on va directement sur votre chaîne. Et sur votre chaîne, ici, je vais pouvoir encore cliquer sur mon avatar afin de modifier la photo de profil. Et quand on clique sur « Modifier », on est rebasculé sur « aboutme.google.com ». Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas forcément intuitif d'aller sur google.com pour modifier une chaîne YouTube, mais en fait, la chaîne YouTube est reliée à ton compte Google. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà ce qui peut porter à confusion et j'espère justement avoir levé le voile sur cette confusion. Cette vidéo était très courte, mais je sais qu'elle va en aider plus d'un, donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire. N'hésite pas à la partager autour de toi si elle t'a été utile. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je ferai une vidéo sur comment créer son propre logo sans être un designer, sans avoir besoin d'un logiciel type Photoshop. Tout se fait en ligne et avec un service gratuit. À la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao.